Salut, salut la communauté, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à partager, à liker et à me laisser des commentaires. Aujourd'hui, nous sommes dans la cuisine, nous allons faire un sérum à base de carottes. Mais avant tout ça, je vais vous présenter la carotte que j'ai râpée. Et vous voyez? Vous pouvez déjà râper la carotte comme ça et mettre dans une grande assiette, vous éparpillez un peu ou bien dans un plateau et vous laissez l'eau s'évaporer. Vous laissez l'eau s'évaporer peut-être 24 heures ou 3. Bon, en tout cas, à vous de voir. Et après, vous allez prendre la carotte et vous mettez avec une huile végétale, n'importe quelle huile végétale, et vous passez à bain-marie, comme ce que j'ai fait avec l'huile d'ananas. Vous allez obtenir votre huile de carotte, mais il faut que l'eau puisse quitter, l'eau puisse s'évaporer. Vous râpez comme ça et vous faites comme ça. Mais aujourd'hui, on va faire un sérum et on n'a pas besoin que l'eau s'évapore, on a besoin de l'eau de carotte. Donc je vais mettre ma carotte déjà râpée ici. Vous passez dans votre mixeur pour obtenir la pâte. Et puis après obtention de la pâte, vous aurez besoin de l'eau. Ok, je mixe et je vous reviens. Voilà. Après avoir tamisé, vous prenez un verre comme ça. C'est juste un verre d'eau de carotte. Moi, j'ai pris deux carottes que j'ai râpées. Je vous montre les carottes que j'ai prises. J'ai pris deux carottes comme ça que j'ai épluchées, j'ai râpé, ou bien vous pouvez mettre directement, si vous avez un bon mixeur, vous mettez dans votre mixeur pour écraser le tout, ou bien vous râpez d'abord avant d'écraser pour ne pas gâter votre mixeur si ce n'est pas trop fort. Un verre d'eau de carotte. Vous mettez dans une casserole. Un verre de glycérine au même niveau. Mais je ne mange plus trop la glycérine. Mais vous mettez d'abord pour ne pas mettre la glycérine et puis l'eau de carotte ensemble, parce que la glycérine va perdre ses atouts. Je ne sais pas comment dire. Vous mettez au feu, vous laissez bouillir un peu l'eau de carotte. Vous ajoutez votre glycérine. Quand ça bouillit, vous remuez. Vous laissez bouillir 2 minutes, vous diminuez le feu. Et vous continuez de remuer encore.
encore vous ormatez un peu. Il faut être à côté pour pouvoir remuer, diminuer, augmenter, diminuer, augmenter. Si ça bouge beaucoup, vous diminuez. Si ça arrête de beaucoup bouillir, vous augmentez. Pour ne pas que ça crampe. Le dernier. Vous faites ainsi pendant 10 bonnes minutes. Vous ajoutez votre glycérine. Et vous continuez. Moi, je vais ajouter du beurre de mangue. Je vais ajouter du beurre de cacao, bien du beurre de coco. J'ai du beurre de mangue. Vous continuez à remuer. C'est un processus qui prend du temps, mais vous devez être à côté. Vous descendez du feu, vous remuez encore. Vous avez remarqué que ça s'est alourdi. Vous remuez. Vous posez encore sur le feu. Vous mettez le feu. Vous laissez bouillir toujours, hein, et vous diminuez le feu. Excusez-moi, il y a les voix des enfants qui jouent dehors. Je vais ajouter 30 ml d'huile d'olive. 2 cuillères à café. Si vous n'avez pas de beurre de cacao ni beurre de coco, ben ce n'est pas grave, vous pouvez faire seulement avec la glycérine. Et après, vous allez ajouter votre huile d'olive. Vous voyez, c'est devenu bien lourd. Et vous mettez un feu sur le feu pendant une à deux minutes pour ne pas que ça chauffe et l'huile d'olive perde sa. Vous retirez du feu. Moi, j'ai laissé plus de 2 minutes, on dira 3 minutes, disons. Vous voyez, c'est bien lourd, n'est pas comme l'huile de carotte simple. Vous ajoutez de l'alcool
quel alcool. Koutoukou, quoi que ce soit. Alcool en tout cas. Je vais prendre 15 ml qui font une cuillerée. Alcool. C'est l'alcool qui va venir permettre à ce qu'elle soit éclaircie. Donc, tu vas venir séparer l'huile de l'eau qui est dans le carotte. Voilà. Quand vous allez faire, vous allez remarquer quand vous y avez un peu d'eau, mais dès que vous mettez l'alcool, il n'y a plus d'eau. Ça devient l'huile. Mais les résidus restent en bas. Ok, on va la transvaser. Mais il y a ma boîte, on va laisser reposer pour que ça se refroidisse. Et puis après, on va transvaser. Donc je vous reviens dans 15 minutes si c'est refroidi. Voilà, moi j'ai descendu le mien dans l'eau. L'eau froide, comme je suis un peu occupée. Voilà, de votre concentré pour votre sérum. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, concentré au sérum. Moi, je l'appelle concentré de carotte. Voilà comment ça tire. Vous voyez? C'est facile. Vous voyez comment ça tire? Votre concentré de carotte. Maintenant, si vous voulez ajouter d'autres poudres pour qu'elles soient bien blanchissantes, vous pouvez ajouter les poudres qu'on a sur le marché, quoi. Et vous ajoutez aussi l'alcool en conserve, mais vous pouvez ajouter un conservateur. Moi, je n'en ai pas. Moi, je vais ajouter du propylène glycol. Une cuillerée de propylène glycol. C'est facultatif. Si vous n'avez pas aussi, vous laissez. Ajouter une cuillerée de lactique acide. C'est aussi facultatif. Si vous n'en avez pas, vous n'ajoutez pas. De toute façon, vous aurez votre sérum déjà. Votre concentré, du moins. De carotte, oui, sérum au concentré. Si c'est chaud, n'ayez pas peur que ça soit pas lourd. Quand vous allez déposer, que ça va s'alourdir. Quand ça va refroidir, ça va s'alourdir. Vous pouvez mettre dans vos mélanges de pommade ou dans vos mélanges de savon. Mélangez bien. Comme j'ai mis de lactique là, je ne veux pas prendre les abatteuses.
voyez. Concentré de carottes. Ok, renversez dans votre contenant. Voilà mon concentré, j'ai mis dans un flacon de couleur noire, c'est sombre. Chaque fois avant d'utiliser, vous secouez mon concentré très lourd. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à l'essayer chez vous. Car il fait des propriétés vraiment qui vont venir vous embellir la peau. Vous enlever vos problèmes de peau. Bye bye, merci de m'avoir suivi. À la prochaine.